Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. On est toujours dans le froid comme tu as pu le constater. Donc mets-moi un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi faire une offre à étiquette est aussi bénéfique pour toi que pour ton client? Alors j'ai noté plusieurs points pour ça, parce que maintenant je me suis spécialisé vraiment dans le high ticket, faire des prix premium, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est bénéfique, pourquoi je trouve ça super puissant. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est une offre high ticket? C'est tout simplement en fait quand tu fixes des prix premium, donc des prix assez élevés, et c'est souvent quasiment tout le temps même suivi d'un accompagnement. D'accord, donc c'est pas juste de la connaissance que tu livres, c'est vraiment un accompagnement, un coaching, c'est un coaching, un accompagnement quoi, avec la personne pour pouvoir lui permettre d'atteindre le résultat qu'elle veut atteindre. Donc premièrement, par rapport aux avantages que je trouve super, les bénéfices, c'est que tu as un engagement de ton client. Parce que le plus souvent dans les formations en ligne, ce qui se passe, c'est que il y a peut-être un faible pourcentage de gens qui suivent la formation jusqu'au bout et qui après réussissent. Il y a beaucoup de gens. C'est pas le problème, c'est pas la faute du formateur ou un problème de la stratégie. C'est juste que les gens ne s'engagent pas jusqu'au bout. Tu vois, c'est comme les gens qui disent ouais, je vais faire du poids au début de l'année. Ils sont à fond dedans, tout ça, les 2-3 premiers jours, et puis après ils abandonnent. Okay. Donc le problème, donc l'avantage avec le high ticket, les offres premium, appelle ça comme tu veux, c'est que la personne, comme elle met comme un billet sur la table qui est assez élevé, eh ben, elle s'engage à le faire. Tu vois, il y a certains clients même, juste quand ils mettent le billet sur la table, ils ont déjà des résultats avant même d'avoir fait le premier rendez-vous. C'est parce que le fait d'avoir mis cet argent-là, ça leur a permis de s'engager et d'avoir des résultats. Donc l'engagement important qui est la base pour pouvoir la réussir. Deuxièmement, bah, du coup, vu qu'ils sont plus engagés, bah, y a un taux de réussite plus élevé. Voilà. Donc quand tu fais des offres à étiquette, tu as en général, en tout cas, au moins 50% de taux de réussite par rapport à une formation ou par rapport au formateur lambda entre guillemets, qui vont avoir un taux de réussite qui va être moins élevé. Alors je sais plus c'est de combien, mais en tout cas c'est peut-être je sais pas, c'est moins de 10%, ça c'est sûr, tu vois, si c'est pas 5% de réussite. Donc là, avec des offres à étiquette, en général tu as au moins 50% de taux de réussite, et c'est bien puisque du coup bah, ça alimente, c'est un cercle vertueux. Vu que tu as plus de réussite, bah, les gens parlent de plus de toi, et donc du coup bah, tu as plus de clients, et etc. Troisième avantage qui est plutôt pour toi, celui-là, c'est que bah, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients pour pouvoir en vivre, tu vois, puisque tu as des tarifs assez élevés, donc ça te permet d'avoir que quelques clients pour pouvoir vivre de ton activité. C'est ce qui est super, quoi, en fait, tout simplement, quand tu veux vraiment vivre de ton activité. Quatrièmement, tu apportes plus de valeur à ton client, bah ouais, parce que du coup, tu en as moins, donc tu as plus de temps à lui consacrer, et donc du coup, bah, tu lui apportes beaucoup plus de valeur parce que tu peux le chouchouter, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est la quatrième avantage pour ton client. Cinquième bénéfice, c'est bah, tu as plus de temps pour t'occuper de ton client. Donc je l'ai dit déjà, j'ai empiété sur le quatrième mot, je crois. Je suis perdu maintenant. Donc du coup, tu as plus de temps à accorder à ton client, donc plus de disponibilité. Donc le client, il est plus satisfait, il est plus content, et donc du coup, il a plus de résultats. Sixièmement, tu peux te permettre de travailler avec les clients que tu veux, tu vois, parce que du coup, vu que tu n'as pas besoin de 50, tu n'es pas obligé de prendre des clients que t'as pas envie de, avec qui tu n'as pas envie de travailler. Toi-même, tu sais que c'est super important de pouvoir choisir ses clients, parce que sinon, tu vas te retrouver avec des clients que tu prends alors que tu n'as pas envie de prendre, tu sais qu'il va te casser la tête, mais tu le prends quand même parce que tu as besoin d'argent. Donc ça, il n'y a rien de pire. Donc ça, en tout cas, grâce à des offres à étiquette, ça te permet de pouvoir choisir tes clients et de travailler avec qui tu veux. Septièmement, eh ben, ça te permet d'avoir une croissance accélérée. Donc ça, c'est plus par rapport à tes bénéfices à toi, mais ça te permet de pouvoir accélérer ta croissance de manière phénoménale. Parce que évidemment, si jamais tu as des prix élevés, bah, ça te permet de, bah, d'engranger un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, tu vois, en ayant moins de clients. Forcément, ta croissance va de plus en plus vite. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, n'hésite pas à mettre un petit like, mets-moi un petit commentaire. Si jamais tu es intéressé pour toucher 10K, d'accord, tout ce qui est high ticket, toucher 10K en moins de 3 mois. Écoute, j'ai fait juste en dessous, tu peux cliquer, il y a un webinaire que je fais, d'accord, tu pourras t'inscrire et assister à la prochaine session où j'explique exactement comment faire 10K en 3 mois et qui peut y accéder ou pas. D'accord, donc je te le dis direct déjà, c'est les gens que je peux accompagner en tout cas pour faire ça. C'est les gens qui ont une expertise dans la santé, dans les relations et dans les finances. De toute façon, je détaille tout ça dans le webinaire. Donc tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous et tu auras accès à la prochaine session de mon webinaire. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.